Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président, merci de ce geste. C'est tout à fait. Je me rappelle, vous êtes venu ici déjà dans des circonstances similaires, hélas. Oui. Voilà ce que j'ai voulu dire aux gens de Nice. Merci proprement, Monsieur le Président. Voilà, merci que l'antiste. Monsieur l'ambassadeur, j'ai tenu à me déplacer à la Maison de France pour vous présenter les condoléances au peuple français pour cet acte barbare dont il est victime encore une fois et pour vous dire que les relations entre nos deux pays sont des relations d'amitié, de solidarité et de coopération. Donc ce qui touche les Français nous touche de très près et j'estime que cet acte barbare qui ne fait la différence ni entre les religions, ni entre les nationalités, ni entre les pays, quand il vous frappe, il nous frappe aussi. Donc je voudrais assurer le président Hollande, le Premier ministre Valls, le gouvernement français et le peuple français, et je voudrais aussi y associer le maire de Nice, parce que Nice et Sousse sont des villes jumelées, donc ce qui nous touche Nice, à Nice et à Sousse, nous touche tous. Comme vous le rappelez, évidemment, un seul terroriste a tué 38 à Sousse. Et bien, ce terroriste-là en a tué 84. Donc, je voudrais assurer aussi les familles des victimes de notre condoléance, de nos condoléances et de notre compassion. Et j'espère que cet attentat encore trouvera une France forte qui fera toujours face à ces attentats. Et j'espère que nous y arriverons un peu plus tard à coordonner mieux nos efforts et à faire face à ce terrorisme-là qui est le mal du siècle. Il prend des dimensions internationales et le mal du siècle. Il n'y a pas un pays qui maintenant peut se considérer à l'abri de cela. La meilleure façon, c'est de répondre en solidaire et aussi avec beaucoup de force. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur l'ambassadeur. Et je voudrais, à travers vous et à partir de la Maison de France, adresser au peuple français la solidarité du peuple tunisien. Merci, monsieur le Président. Je tiens à vous remercier au nom du président de la République, du gouvernement français, pour votre geste exceptionnel d'amitié et de solidarité en venant ce matin à la résidence de France et vous dire toute notre reconnaissance et aussi toute notre détermination évidemment à relever ce défi terroriste qui est un défi que nous affrontons ensemble. Absolument. Et que la seule réponse qui vaille, et nous l'avions dit déjà après Sousse, nous l'avions dit après le Bardo, nous l'avons dit hélas aussi après le Bataclan et aujourd'hui, c'est la seule réponse qui vaille, c'est de renforcer plus encore de manière continue notre coopération, notre solidarité pour faire face à ce défi. Merci Monsieur le Président. Voilà. Merci Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.